Bienvenue au bon tuyau de Swiss Alpine Emotion. Aujourd'hui, on va parler avalanche. Pourquoi ? Parce que bien souvent, quand les secouristes professionnels ils arrivent, c'est trop tard. Donc, c'est à vous de retrouver votre pote qui est en ce but. Première chose, le DVA, toujours sur la bête, jamais dans le sac à dos, jamais sur la veste, parce qu'il peut se faire arracher dans la coulée. Ensuite, quand on va rechercher, toujours prendre quelques secondes pour évaluer un peu la situation. Et puis prendre du temps, ne pas aller trop vite car ces appareils sont vraiment très sensibles. Donc si vous courez, vous allez trop paniquer tout ça. Donc prendre le temps, bien lire ce qu'il vous dit de faire et d'y aller tranquille. Enfin, quand vous arrivez et puis que vous avez localisé votre pote, toujours avoir la sonde avec. Toujours utiliser des gants, sinon vous risquez d'avoir du verglas et puis ça va vous empêcher de faire correctement votre sondage. Ensuite, au niveau du sondage, quand vous avez trouvé la personne, vous vous mettez toujours un peu en contrebas afin de peler et d'arriver directement à la personne plutôt que de creuser et de faire un trou et de vous mettre jusqu'en bas. Donc la sonde, l'appel toujours avec. Donc là, pour le système de pelage, si vous êtes plusieurs, essayez la technique en V, ça veut dire un devant, deux derrière, trois derrière, et puis vous dégagez comme ça. Et puis si vous êtes seul, pelez aussi vite que vous pouvez. En espérant que ça vous arrive jamais, surtout un conseil, entraînez-vous, parce que c'est des petits réflexes qui sont bien à avoir quand c'est la catastrophe. À bientôt!